comme vous le dites, le but de la formation, c'est vraiment d'améliorer la compétence des prestataires, surtout des maternités, pour répondre aux urgences obstétricales les plus meurtrières. Une formation qui a eu le mérite de couvrir tout le département et qui a permis de former 92 prestataires, donc pratiquement 100% de nos structures sanitaires, devait nécessairement apporter des résultats d'effet et d'impact. Au niveau du secteur et particulièrement du département, il y a des indicateurs clés que nous avons définis pour suivre, bien sûr, l'acquisition de compétences suite à la formation soumise. Le premier, c'est le taux de référence. Selon la norme, elle est 5%. Au niveau de notre département, le problème était ce taux qui était très inférieur à 4,5, ce qui prouve un problème de respect de protocole. Et la conséquence, c'est qu'on a un taux de mortalité infantile surtout très élevé. Mais depuis la formation SONU et à la revue de performance qui vient de se dérouler, nous avons constaté que le département est autour de 4,5%. Donc un taux pratiquement égal à la norme, ce qui prouve qu'il y a une bonne maîtrise des protocoles de prise en charge grâce à cette formation SONU. En fait, c'est une formation qui s'était très bien déroulée. J'avais beaucoup apprécié parce que ça m'a permis vraiment de relever beaucoup de défis. Donc, j'ai pu m'améliorer vraiment. Parmi les 7 fonctions SONU qu'on nous a apprises lors de la formation, il y a 3 qui m'ont aidé dans la prise en charge de mes patients, à savoir la prise en charge des soins après avortement, la MIU, qui a vraiment diminué le taux de référence dans ma maternité. J'ai aussi la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance, qui a contribué aussi à la réduction du taux de référence, et la ventouse qu'on utilise aussi dans cette maternité. Grâce à cette formation, on a pu sauver beaucoup d'enfants. On a sauvé beaucoup de femmes qui devaient saigner, par exemple, qui n'en saignent pas. Avec la formation SONU, je pense que le nombre de références est réduit de plus de la moitié à mon niveau. Parce qu'il y a des cas que je n'arrivais pas à gérer, que je référais spontanément. Avec cette formation, nous arrivons à sauver ce qu'on peut sauver. Ce qu'on ne peut pas sauver, si nous voyons que le tableau nous dépasse, on est obligé à référer. Mais la référence est moindre. Le deuxième indicateur de suivi, c'est la proportion de personnel qui applique les fonctions SONU de base. Alors, par rapport à cet indicateur, on n'a pas une référence, mais nous avons les résultats des enquêtes précédentes. Et ces enquêtes, c'est surtout l'enquête SARA. Cette enquête se réalise tous les 2 ans et a toujours prouvé que pratiquement aucune formation sanitaire au niveau du Bénin ne mène d'accord, les 7 fonctions SONU. Grâce à nos derniers suivis, nous avons constaté que toutes les formations formées sur pratiquement les 32 centres de santé, nous avons constaté que plus de la moitié, c'est-à-dire 60% au moins, appliquent les fonctions SONU. Ce résultat reste à être confirmé par l'enquête SARA, mais on a espoir que, franchement, que ça ne serait plus zéro dans le département. Ce qui m'a vraiment marqué lors de cette formation, c'est la pratique sur mannequin. Je pense que ça fait plus une particularité pour la formation SONU qui nous permet réellement de nous défendre dans nos fonctions. Et aussi, on a fait des stages dans les formations sanitaires pour la pratique de ces cours-là sur les vivants. La pratique de l'AMU, par exemple, à la maternité ici. Je pratique au moins 8 par mois, sans problème. Par exemple, pour la réanimation des nouveaux-nés, c'est après la formation qu'on a su qu'il fallait, on a vu que c'est nécessaire de fabriquer une petite table pour la réanimation et avoir le ballon de la réanimation pour les enfants qu'on a eu à faire grâce à notre projet FBR. Avant cette formation, vraiment, je n'avais pas la maîtrise de ces fonctions. Ça a permis quand même de réduire les dépenses au niveau des parents parce qu'avant, il fallait référer, par exemple, sur une ATI.
S'il s'agissait de prendre, par exemple, l'ambulance de Boukoumbé à Nati, ça fait 16 000 d'abord, sans parler des frais et des dépenses à effectuer au centre de référence. Donc ça faisait beaucoup de frais aux populations. Et moi-même, quand j'arrive à pratiquer la mue comme ça, je suis contente. Je suis fière d'aider les femmes. Et ça va présentement. Le troisième indicateur, c'est le taux de mortalité maternelle, qui est en fait le vrai indicateur d'impact. Mais ce taux de mortalité maternelle, on ne l'apprécie pas tous les ans. C'est tous les 5 ans, voire tous les 10 ans. Mais ce que nous apprécions, c'est la mortalité intra-hospitalière. Ça, toutes les semaines, nous avons la notification de la mortalité intra-hospitalière. Et ça, grâce au SONU, on a eu deux effets à ce niveau. D'abord, le premier, c'est que nous avons au cours de la première année, nous avons une bonne notification des cas de décès maternel. Et on avait pensé à un instant que le nombre de décès a augmenté. Cela a duré pratiquement 6 mois. Mais après 6 mois, et depuis maintenant près de 8 semaines épidémiologiques, nous enregistrons 0 décès maternel au niveau du département. Comme l'indique bien, c'est un indicateur d'impact. Il y a d'abord un effet avant l'impact. Donc on pense vraiment que c'est l'effet de cette formation qui est en train d'être constatée comme ça. Et nous sommes sûrs que dans 5 ans ou dans 10 ans, quand on va faire une enquête, on verra vraiment que la mortalité maternelle a diminué dans le département. Après la formation SONU, je peux dire que ça va. Mais je ne peux pas dire que je suis parfaite parce que parmi les 7 fonctions SONU apprises à la formation, j'ai de difficultés dans la pratique de la réanimation du nouveau-né dans cette maternité. Ce n'est pas la non-maîtrise de la pratique, mais c'est le plateau technique au fait qui nous empêche de bien pratiquer la réanimation du nouveau-né ici. Parce que je n'ai pas assez de matériel pour pouvoir faire cette réanimation. Et c'est surtout au niveau de l'oxygène. On n'a pas d'oxygène dans cette maternité. On a des difficultés. Par exemple, sur la pose de DIU après l'accouchement, il y a une pince qu'on n'en a pas eue jusqu'à présent, la pince de Kelly. Au niveau de la ventouse, la réalisation arrive à, par exemple, blesser le nouveau-né. Donc, parfois, il y a cette crainte personnelle-là que je n'arrive pas à gérer. On le fait, mais pas toujours. Quand il arrive qu'il n'y a plus de solution, on est obligé d'appliquer, on applique quand même. Le gros problème dans les départements comme les nôtres, c'est l'instabilité du personnel. À chaque mutation, le personnel demande à partir. Et là, on n'a pas toujours la force de les maintenir. Je souhaiterais que le projet PAOC nous appuie concernant le matériel. Si le PAOC devait reprendre cette formation, je voulais d'abord, en premier lieu, augmenter les jours de la formation. Au lieu de 2 semaines, augmenter un peu plus. Et voir avec nous le matériel qui manque dans nos maternités, qui nous aide par ces matériels. Franchement, je donne 18 sur 20 parce que la formation nous a vraiment aidés dans la prise en charge de nos malades. Du moment où ça me permet d'aider et de sauver, moi, je pourrais donner au-dessus de 20. Si je devais noter cette formation, je devais lui donner 18 pour ne pas dire 20. Parce qu'il nous avait promis aussi les pinces de Kelly, là, qu'on n'a pas eu. C'est à cause de ça que je vais les enlever, les deux. Sinon, vraiment, c'est 20 sur 20. En matière de pérennisation, il y a souvent 2 éléments qu'on attaque. C'est la pérennisation technique et surtout financière. Mais notre département a eu la chance d'avoir un partenaire qu'on appelle ISSA. C'est un projet financé par l'USAID qui a accepté prendre en compte les acquis, surtout en matière
pour la santé maternelle et infantile. Et parmi les acquis prioritaires, je crois qu'il y a les SONU de base qui sont priorisés. Pour l'aspect financier également, je crois qu'il est plus ou moins réglé. Il est réglé par le partenaire dont je viens de parler, mais également, surtout par les ressources propres de DDS. Cette stratégie SONU, c'est depuis 2000 qu'elle avait été mise en place, mais on n'a jamais eu cette chance d'être formé. On n'a même pas eu cette chance d'avoir 10% de couverture. Avec le PAOC, on a pu avoir près de 100% de couverture. Je crois que c'est un élément à ne pas lâcher. Tout responsable conscient, bien sûr, des grands efforts de SONU ne peut que militer dans ce sens. Et ce n'est que ça que je suis en train de faire personnellement.